Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de vous faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Action démocratique pour l'intégration des masses à DIM en tant que mouvement politique qui. Bon côté population et nous même capable dit que jodien a dim ses yeux population haïtienne surtout si la yo qui fait partie des masses que ce soit masse paysanne masse et défavorisée etc. Donc a dim nan ses yeux yo ses porte-voix yo nous croit que li important dans construction démocratie pour que nous toujours prioriser le dialogue. Et c'est ça qui fait que Adim toujours soutenu président Jovenel Moïse parce que son président qui connaît un dialogue, qui toujours a prôné on tête ensemble, on chita parler. Et là, je pense que le moment arrivé parce que nous essayons tout ça pour nous essayer déjà. Yo. Par exemple, nous venons avec la fameuse question de pays loc, nous et qui ça coûte pays. Hein. Si nous parle l'école, madame Sarah pas qu'à voyager, pays bloqué. Pays fermé, donc ça pas côté solution. Ils ont essayé de brûler marché, je dis, hein, pays à vignes plus pauvres. Donc ça veut dire que moment arrivé, pour tout secteur de la vie nationale, là, chita ensemble pour vider différenciation et ouais, dans quelle mesure nous sommes capables de faire coup à coup de fraternel ça pour nous sauver pays. Là. C'est vrai que avec l'arrivée de Jovenel Moïse comme président de la République, mon système justement qui veut dénoncer et toute population à travers pays a dit il faut un nouveau système, et bien nous dit que pour implémenter tout ça, il faut qu'il y ait un dialogue. Dialogue sincère, dialogue franc entre tout secteur dans la vie nationale là, au gré du peuple haïtien ou encore de la population haïtienne. Pourquoi ça nous dit ça? C'est parce que en pile fois, il y a des gens qui pensent que c'est dialoguer pour aller droit, beaucoup de parle. Non, je dis, hein, moment arrivé, pour ces intérêts supérieurs, nations hein, que nous primons. Moment arrivé, je dis, hein, pour ces éducations, hein, nous mettons en premier. Moment arrivé, pour nous dire que faut qu'on ait l'autre système de santé. Moment arrivé, pour nous dire faut qu'on ait l'autre système de justice. Or, tout cela doit être l'objet normalement de débat à travers la société haïtienne pour permettre effectivement que nous soutenions un bourbier que nous y ayons depuis Bellevillette. Constitution haïtienne, là, nous voulons parler de constitution 1987 là, c'est une constitution qui était faite dans un moment bien déterminé. Il était faite dans un contexte bien particulier. Mais nous avons fait un rappel historique ça pour nous dire, peuple a été voulu divorcer de la dictature la plus féroce que le Tékoné dans l'existence. Et voilà pourquoi l'élite d'Aloyo te mettait tout ensemble pour te faire en constitution pour penser qu'il t'a pral anti, je dirais, dictature. Mais dictature, ça a été plus mettel au niveau de la présidence. Or, voilà que le Yabat pour retirer ensemble de pouvoir au niveau de la présidence, eh bien, Yovine mettait pouvoir ça, yo, bon côté parlement. Là, nous venons tomber dans l'autre dictature. Bon, nous ne pouvons pas arrêter là. Mais nous avons dit que tout ça, nous pourrons le connaître de 87 à aujourd'hui, nous découlé de faiblesse. Nous sommes capables de dire, constitution, ça, que nous débouté pays. Eh bien, en pile président passé, dénoncez-le. Population a dénoncé, juriste dénoncé, mais pas de gens au monde qui ont courage pour dire que faut que nous venions avec l'autre constitution. Et là, il faut saluer le feu Prival qui lui-même te comprend la nécessité pour te amender la constitution. D'ailleurs, il te même arrivé dit que la constitution, c'est source d'instabilité politique chronique que nous connaissons dans le pays. Donc c'est pour nous dire que je dis, hein, nous, on ne peut plus adhérer à la question d'une nouvelle constitution, une constitution capable de répondre aux besoins de l'heure. Parce que, je dis à écouter, pas capable de gagner la ville,
pas capable de monde dehors encore car nous tous c'est haïtien pas capable bon président qui fin fait campagne qui a promis tant de choses oh voilà que le président une fois élu ne détient pas la clé de la machine administrative de l'État et là faut le faire appel à un chauffeur qui prend un premier ministre et premier ministre là, comme le stipule la constitution c'est l'émanation du parlement en Haïti tout est lié à la politique malheureusement j'ai bien dit malheureusement m'a songé 2-3 mois avant et m'étais capable de dire baisse de dollars là m'a parlé du taux d'échange là sur marché national là t'es gagné un calme plus ou moins apparent en deux pays un climat plus ou moins stable sur le plan de sécurité mais une fois que Goudlan il commence à prendre valeur produits de première nécessité yo commencer à subir influence dans ça qui vient rapport à diminution de valeur en termes de cob nous te qu'on dépense plus à ton sac du libécé l'huile baissé etc même camionnette là a baissé eh bien nous est que zak insécurité yo commencer à refaire surface donc on vient sentir que tout est lié à la politique. Or voilà que en population qui a demandé pouvoir d'achat, le, par exemple, bout de la plan valeur, je pense que t'a supposé un avantage, grande majorité. Hein, et de l'autre côté de la barre, malheureusement, où joignent de monde de artisans qui a essayé fait que Zach insécurité yo remonté en deux pays. Donc, nous dénonçons ça. Nous pensons que c'est pas normal pour que nous vivions ça, nous vivions là. Mais comme ça, tout, responsabilité yo, au niveau de l'État, nous devons fixer. Quand par exemple, nous connaissons que nous avons deux forces publiques, à savoir l'armée et la police, donc, faut la police là prend responsabilité pour capable assurer protection vie et bien en d'un pays ça donc à dire quoi que si toutefois nous fait chita parler ensemble si toutefois une volonté manifeste pour nous sortir pays en crise je dis chita parler à faire demain si Dieu veut on pas dit pas bien sécurité encore non mais la diminuer considérablement. Ça veut dire que tout est lié à la politique. Malheureusement, c'est des compatriotes qui vivent dans le pays, hein, même là avec, ou même qui regardent la chita la caillou, qui ont même essayé d'artiser ça qu'a fait là. Après tout le temps à observer, nous, parti politique CFRAN, décider de sortir le silence nous. Je dis, 34 ans après résultat catastrophique, en pile résultat montre que le système n'a fonctionné sous plusieurs vitesses. Égal, il y a un petit groupe qui devant net, majorité peuple arrêté derrière. La misère fait Mikalao, chômage dans masse peuple là. Qui donc, ça qui a passé Haïti journée aujourd'hui, vient un schéma classique. Ça veut dire bagay moun apprendre l'école. Gros misère, personne pas jamais rete garder comme ça si pas gain révolte. Dans sens ça, n'a dit à peuple haïtien, parti politique CFRAN, nous c'est troisième voie réelle pays là. Nous sommes un parti équilibré qui se voit majorité. Nous qui modéré. Nous avons une vision pour faire sauvetage collectif avec un programme réconciliation nationale. C'est un ensemble de projets qui poursuivent même bien dans ces francs. Nous avons un programme qui a 20 projets pour délatriniser Haïti. Nous sommes un parti social-démocrate. Nous sommes progressistes modérés. Nous sommes plus grands. Courant politique qui dans pays a c'est voix socialiste qui a fait équilibre avec démocratie parti politique CFRAN gagne un objectif pour travailler avec société civile là c'est un moyen pour nous pacifier pays a pour créer une autre atmosphère qui permettre la paix établie graduellement dans pays a d'après étude parti politique là
qui est basé sur l'étude milliers haïtiens pour faire la paix régner en Haïti. Pour réconciliation, fait tout bon. Côté parti politique CFRAN, il y a un plan national pour l'éducation qui impose à tout acteur dans le système. Qui prévoit financement l'État pour bon gens aménagement fait dans l'éducation pays. Dans ce sens, pour bailler valeur à la langue haïtienne qui est créole. Parti politique cri peuple haïtien pour réconciliation nationale c'est franc vient demander peuple haïtien pour m'akone force li ak pa nou ensemble pour bay pays a yon l'autre direction politique ak économique qui basé sur production nationale pays a pour finir n'a dit peuple haïtien parti politique c'est franc nous c'est troisième voie pays a réellement. Nous pas jamais participer dans aucun pouvoir pays a, ni de près ni de loin. Nous c'est voix majorité a. Nous c'est nous qui éligible pour mener bail dialogue caponé a. Nous pas sorti en dans aucun secteur politique dans pays a. Nous cachita à tout secteur. Vive la démocratie. Vive la réconciliation nationale, vive peuple haïtien. On n'est pas qu'un syndicaliste pour lui pas encourager le dialogue. Parce que le syndicaliste a gagné un grand moyen pour le faire passer aux revendications, c'est à travers dialogue, négociation, concertation. Et puis pour nous un accord, je nous entente, même lorsque en dans dialogue là nous tout pas obligé satisfait à 100%, mais dialogue là les imposer pour nous chercher solution à quel que soit problème là, j'ai un problème présenté. Ça veut dire si nous depuis 86 nous avons bataille pour nous voyer un régime qui nous dit son régime dictateur aller et depuis le ça nous entamer un processus démocratique qui est basé sur dialogue, qui est basé sur inclusion. Si pays c'est pour nous tous liés, nous d'accord c'est pour nous tous liés. Que le président, que le ministre, que le sénateur, quels sont simples citoyens qui habitent dans tout coucou, qui sont l'autre qui habitent dans la plus belle zone que pays a gagné la donne, mais nous tous les haïtiens et haïtiennes, pays appartenu à nous. Ça veut dire, si nous besoin le marché, nous chaque game pas nous pour nous dire la donne. Et pas qui voit, pas qui moyen pour dire, c'est à travers le dialogue. C'est à travers le dialogue. C'est-à-dire que depuis où est-ce qu'on voit voix dialogue, c'est-à-dire voix dialogue pas qu'à voix dictature. Voix dialogue pas qu'à voix qui exclut moun. Voix dialogue, son voix qui intégrer tout moun autour d'un table pour que nous poser problème qui concerne nous toutes. On dit voilà, mais comment moi, well, mais forme des solutions qui me proposer. Et à ce moment, nous tirons conclusion. Voilà que, sous ça, nous entendons pour la table ensemble. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous pas gagnons l'autre voix. Nous-mêmes, nous pas gagnons l'autre voix. Comme syndicaliste, c'est à travers le dialogue, nous voici tout acteur capable de vivre, nous formule pour nous dire voilà, ça n'est passé, nous déchirons trop, mais voix n'a pas emprunté pour nous battre hier pour nous sortir de la situation critique, maresse économique qu'elle est là. Mais je dis à qui est-ce qui doit évoquer signal ça, puisque nous, même situation, ça a été présenté avec le président Prival, parler de dialogue, le président Jean-Bertrand Aristide, parler de dialogue, ouais, un peu l'initiative prend avec le président Joseph Michel Martelly, mais avec le président Jovenel là, il y a un peu l'initiative qui prend tout, que l'état général sectoriel, plusieurs autres commissions qui ont démonté pour question de dialogue là. Je dis, qui bon problème dans hier qui fait nous pas qu'à atterrir effectivement dans le chemin que nous souhaitons. Écoutez, il y a un problème, donc crise confiance dans le pays. Donc crise confiance, c'est pas daté aujourd'hui. Pour dialoguer de toute façon, au monde faut chercher mettre en confiance. Parce que si c'est un bail, mesdames, si pas une sincérité en dans dialogue là, n'est pas même nécessaire pour faire. C'est ça fait. Acteur principal qui pour lancer dialogue là, c'est le président de la République, parce que c'est lui-même qui a un mandat que le peuple a bali pour le mener pays à bon port. Et s'il rend compte que il y a une difficulté pour l'avancer, et obstacle là, c'est un groupe monde qui a même refusé Chita Avel pour chercher solution ensemble, c'est lui-même pour tendre la main. Et comme il a fait, comme le président a fait de temps en temps, chaque fois l'a fait. Le président toujours fait, il tend la main à tout le monde qui est en opposition, quel que soit le secteur qu'il y a, il tend la main, il dit venez nous parler. À ce pays, c'est pour nous tout plier. Moi, pas gain science infuse, moi, pas gain connaissance sur toute bagaille.
nous tous gagnons façon pour que nous participions, pour contribuer à la solution. Vini, vini, chita. Mais l'elle, celle, l'ilancel, moi, parce que société civile, là, lui-même, tout, faut encourager acteurs politiques, yo, puis entrer dans le dialogue, là. Faut même, yo, dit, yo, quoi, dans le dialogue, là, parce que c'est nous, dans la population, qui mettait mon chef. Mais si mon qui gagne pour chef, refuse de dialoguer, et nous-mêmes, nous dit, yo, nous m'en est plus dialoguer, à ce moment-là, n'abtenu, yo, les moments où besoin, on a dit attention, nous te dit, allez dans voir ça, on parle, à ce moment-là, on a regardé. C'est ça fait penser tout le monde gagne, ils ont même tout comme responsabilité pour encourager acteurs, monde qui ont même refusé le dialogue là, puis capable et chita autour de table ça pour nous chercher ensemble solution. Parce que dans ça nous y est là, je dis, on nous compte que nous avons une certitude, personne pas trop ouais, malgré le président fait toute qualité effort, pas même imaginer, effort sur eux-mêmes, pour que l'arrivée convainc nous, en tant que peuple, en tant que population, en tant qu'acteur, que l'ivlé aller dans de bonnes directions et le faire avec nous tous. Mais, il y a un bon monde jusqu'à présent pour qu'on voulait. De toute façon, et pas gagner l'autre route, pas gagner route, pas voyage, on vient de dire, nous aller vers un dialogue inclusif, un dialogue qui, donne la main à toute qualité monde qui n'en pays à qui concernait. Moi-même, c'est comme ça, moi, bah, ouais, l'autre façon pour nous sortir dans la situation là. Bon, c'est, et la nature lui-même, est tracée un bon exemple. Ben nous, le temps trace un bon exemple, ben nous, situation que nous apprenons soit à l'école, il trace un bon exemple, ben nous, que faut que nous parler, faut que nous cohérents, faut que nous essayons de comprendre l'autre. Qui ça que fait, je dis à moi-même avec vous, nous qu'à parler, même langage, c'est-à-dire nous dit même langage, nous parlons une langue qui est le créole, et moi comprends nous ou comprends moins. C'est tout simplement, nous t'es quand même nous là, nous t'entendons nous que tel mot voulait dire tel bagaille. Et puis, les vies nous baillent conventionnelles. Pas rien, dit loulou, voulait dire pour loulou, chéri, voulait dire moi-même. Loulou, t'es qu'à dissonner. C'est parce que t'es qu'à un moment, nous chita, nous discuter, nous chargez, jusqu'à ce que nous jouons, ou formule, nous dit ça, nous d'accord sur lui. Même pour faire loi. Loi, par exemple, comme ça, l'éventer tête lui. Ou faire loi en fonction de situation, en fonction de besoin, d'un bon paquet de besoin, en fonction d'un bon litige des situations qui viennent, et puis nous dit, waouh, ça, pas de loi, on a créé une loi. On a fait une loi pour être capable, au moins, et nous pas appliquer l'encore, c'est nous pas le respecter l'encore, c'est nous pas l'exécuter l'encore, et puis nous cherchons un accord autour de ça. Et à quoi? Les vies nous baillent conventionnelles, nous tous d'accord sur lui, son bagaille intouchable. Mais ça passe, c'est par le dialogue, c'est on entend ton accord. Et pas, qu'est-ce qu'on va faire? Même avec madame, ou Maya, Vel, gagner des accords tout le temps qui y va. Et c'est au jour le jour, il y a des accords. Même avec madame, il y a des accords. Mais finalement, c'est pour elle, ou parler avec lui. Ça, elle pas trop comprendre, non. C'est au pas faire comprendre, parce que tu comprends ni mal. Mais c'est pas le dialogue. C'est-à-dire, dialogue, elle est posée. Elle est posée, c'est pour un bagaille où on a forcé ça. Mais elle concerne nous toutes. Et nous toutes, deux, elle, dans le même sens, en Alchita, c'est pas Chita pour que, ou vin faire ou même ou imposer tout ça que ou a dit faut que c'est lique passé. Non, faut flexible dans le dialogue là. Mais sans d'intérêt à ces pays, dénominateur commun, c'est pays, autour de pays, il n'y a pas d'intérêt personnel ou pas besoin de sortir. Depuis intérêt personnel ou pas besoin de sortir. Depuis intérêt de groupe ou pas besoin de sortir. Depuis intérêt parti politique ou pas besoin de sortir. Pas aucun moyen ou pas besoin de sortir. Mais si on mettait pays devant, ou une nation, ou un problème, yo, qui mérite solution et solution, on cherche l'ensemble, on finit par sortir. Moi, c'est comme ça. Depuis installation, nous, alors nous, pourquoi bien à partir de demain, qu'on a un local, on est capable de commencer l'activité présentielle, yo. Nous, plus travail par visioconférence et donc, première démarche là, c'est travail sur un projet de consultation. C'est-à-dire que la travaille sur un document, ce que nous prenons faire consultation dans le qui est intéressé. Et ensuite, quand on est capable de pour nous rencontrer dans la semaine qu'après pour nous venir là. Alors, nos premiers temps, c'était partage de documents qui existaient sous question constitution, parce que depuis 2007, il y a une commission président Préval qui met en place pour réfléchir sous constitution. Il était sorti un rapport sur question constitution. Et c'est sous base ça, amendement 2011 qui est fait. Ensuite, tu as gagné une commission spéciale sur l'amendement de la constitution de commission chambre députée. Donc, il y a trois rapports. Et dernier rapport lui-même, les plus spécifiques, parce que les balles des propositions d'amendements sont sur le sujet. Et ensuite, on gagne un état généraux sectoriel de la nation qui ont document, un partenaire document que c'est sous constitution. Donc ensuite, on gagne tout travail universitaire qui va sur réforme constitutionnelle ou bien sur changement de constitution, Madame Baninga, Claude Moïse, bien ouvrage collectif pour tout ça. Et en plus, journal, donc article de journal. Donc en fait, c'est une sorte de revue de littérature pour nous être capable de prendre connaissance de grandes tendances, de qui point qui est plus
qui plus conflictuel mais qui plus problématique dans la constitution hein? Et ça passé de point ça yo et consultation pour le chef. Ça veut dire que nos premiers temps document dit pour aller font sorte de ramasser de tout ça yo font synthèse poser problème yo et pour que d'ici semaine prochaine on a commencé à rencontrer experts yo sur les tout grands points qui fait problème dans la constitution hein? Et ensuite on a élaboré malheureusement pas connaître si pour continuer mais c'est notre question par rapport à processus actuel là. Alors il y a plusieurs types de documents. Il y a des documents c'est commission qui était fait et commission 2007 présidée par Claude Moïse et ensuite il y a un document son rapport commission spéciale sur l'amendement de la constitution de la Chambre des députés et ensuite il y a un rapport des États généraux. Ensuite effectivement au fait bien pour signaler il y a un paquet de monde dans la société civile là bien des organisations qui étaient voyées des mémoires par le président République là. Donc nous commençons à recevoir et bien ça qui sous version électronique pas sous version électronique yo nous t'gagnent et nous partager entre membres et c'est sous base ça n'a fait document de projet de consultation. Alors, projet, c'est document qui dit mais qui ça ne va le faire et mais pour qui raison a fait et puis mais comment on a fait. Et au niveau méthode, mais qui méthode nous va utiliser pour nous capable faire en sorte que consultation est inclusif. Donc, nous tout bail méthode là, nous tout bail comment nous va procéder pour nous capable faire en sorte que plus monde participer dans processus là. Nous avons trois groupes d'experts à rencontrer. Parce que constitution il y a trois blocs de préoccupation là-dedans. Première, c'est question politique là. Ça veut dire que question pouvoir, yo, pouvoir législatif, exécutif, judiciaire et rapport pour qui existe entre eux et problèmes de tension et conflits et incohérences, contradictions qui entient dedans et pouvoir ça. Yo. Donc ça c'est le premier type d'expert qui parle expliquer nous comment pour comment problème nous poser. Déjà nous connaissons comment poser déjà, mais comment pour nous faire pour résoudre, qui mécanisme pour nous mettre en place dans la constitution, capable de faire en sorte que problème ça pas répéter encore. Ça, mon deuxième bloc de préoccupation, c'est l'autre type de profil. Alors, constitutionnaliste en général, c'est le régime politique là qui en principe qui intéresse eux. Et ensuite, gagner et un autre bloc de préoccupation qui en dans la constitution, c'est tout ça qui concernait gouvernance administrative. Alors, la gouvernance administrative, on a besoin de deux types de profils d'experts, rencontrer deux types d'experts. Des monde qui spécialise dans la question décentralisation, question et dans la question de décentralisation, on pas quelques points qui concernait. Il y a une question et plusieurs niveaux de pouvoir que nous connaissons actuellement. Il y a une section communale, il y a une commune, il y a un département, il y a un interdépartement. Donc, même je pourrais dire, est-ce que le dispositif ça, est-ce que yo bon, est-ce que yo bay problème, qui problème yo gagne, comment nous doit et résoudre problème ça, que pas gagner tout chérie, tout conflit que nous connaissons actuellement. Bon, l'autre aspect en dans gouvernance administrative là, c'est institutions indépendantes. Yo. Par exemple, on gagne à peu près cinq institutions indépendantes, bien conseil électoral provisoire, bien l'Université des États d'Haïti, bien Académie créole, bien Office de la protection du citoyen et bien l'autre institution qu'il faut mettre en place, c'est un conseil constitutionnel qui existe. Maintenant, expert ça yo pour bon évaluation et puis gagner pour supérieur des comptes et des contrôles administratifs. Donc expert yo a bien pour dire nous tout point évaluation depuis 30 ans et institution ça existe, ça qui met en place, comment fonctionner, qui problème yo rencontrer, pour qui ça yo pas des résultats, mais si on a des résultats, comment capable évaluer résultat ça. Donc OK. On a ça c'est deuxième bloc de experts que nous parlons. Gagner un troisième profil de qui concernait un troisième bloc préoccupation de la Constitution. Hein? Et troisième bloc, ça, c'est toute question qui concernait droits fondamentaux, qui concernait citoyenneté, qui concernait souveraineté. Donc, on pense de questions qui liées à quoi bagage sur du laïo, il y a question de système électoral là, et système nouvel là, est-ce que les fonctionnels, qui problème qui posait, rythme élection, yo. Est-ce que chaque deux ans pour l'élection sénateur, et est-ce que les bon, est-ce qu'il pas bon? Et c'est quoi mandat aux gens dispersés, qui fait que chaque année quasiment, il faut qu'il y ait une élection, mais chaque deux ans. Est-ce que rythme élection ça, est-ce que nous avons rien solide pour nous capable, au niveau financier pour nous capable de supporter? Qui problème ça poser question synchronisation et mandat ou de synchronisation? Il y a une question nationalité, il y a une question classe diaspora dans affaires pays nanana. Cet pays. Donc, ce n'est pas quatre questions comme ça que vous avez des experts qui connaissent la question ça, qui connaissent le domaine ça, qui nous parlent rencontrer pour dire nous qui problème qui pose actuellement dans eux, comment pour nous résoudre le problème ça pour que dans l'avenir, en tout cas dans les
30 prochaines années encore et problème ça va pas retourner dans visage nous. Et puis là déjà au travail, c'est déjà au niveau documentaire. La fête qu'on y a et deuxième phase là, c'est question rencontrer Mounio physiquement. Notez que nous pas noté gain et on est là tout est monté. Ensuite ça besoin de bah écoutez pour rencontrer Moun, donc faut bon côté. Donc ben on peut c'est un motel qui dans commission pour l'établir. Et donc à partir de semaine prochaine, on a commencé consultation, atelier qui a ouvert au public et il y a en live tout, qui fait que dans quel que soit côté mounier, depuis mon connexion internet, depuis vous ça intéresse, on va participer dans le débat et à la ministre qui est capable de poser toutes questions. Alors, en présentiel, il y a des mouns qui ont invité, mon gars qui a proposé, ça dépend de l'invitation, mais n'importe qui monde qui a venu dans la réunion, c'est pas expert, le monde qui va venir parler, bien évidemment, il y a des invités, mais public là lui-même, le que mon thème qui a débat, il y a connaît, il y a fait message à passer, il y a eu une note de presse, et puis nous avons eu un site internet, nous avons eu un compte Twitter, nous avons eu l'autre médias sociaux, il y a beaucoup. Hein? Donc si vous voulez suivre par internet, médias sociaux, il y a capable. Si vous voulez venir tout en direct, en présentiel, il y a capable. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour être capable d'attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous avons branché. Pas oublier vous nous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.